Et donc salut à tous, c'est Pogeyof38 pour ce nouvel épisode du guide de Dark Souls Remastered. Donc du coup on se porte là où on s'en est arrêté, on se vire ici. Donc, du coup cette fois on va se faire la zone de la grande carcasse. Donc du coup là déjà, on va prendre le chemin ici. Donc du coup ça, je me lâche de là en fait, voilà je me prends pas mal de dégâts. Ça me permet d'aller chercher un autre lentille que j'aurais dû aller chercher dès le début du jeu en fait. Parce que dans les différentes zones, il m'aurait été plus qu'utile celui-là. Ah purée, ah, je déteste quand ça bug comme ça. Voilà, ça c'est un coup à se tuer quand ça fait ça. Du coup, je vais pas aller dans toutes les zones, je vais penser que ça c'est juste un niveau qui est juste, mais ultra labyrinthique. Juste pas contenté de faire les trucs qui passent. Voilà, on les extermine. Nous voilà, ça nous permet d'aller récupérer ce cadavre là. Croix d'âme de guerrier anonyme. Puis on va remonter, on va aller voir ce qui s'y passe. Soit avoir de carcasse, c'est juste, mais labyrinthique comme c'est pas permis. Et c'est la mort! Bon c'est pas grave, je vais juste aller essayer de récupérer mes lames et au pire ça m'a mis lames, donc du coup à ce stade là du jeu c'est pas grave. Je déteste quand ce genre de truc arrive. Du coup là on va descendre toute la zone. Sans gaffe de pas se tuer, bien évidemment. Et que je laisse cette zone de la grande carcasse. Ok, super. Maintenant. Désolé, je me suis paumé. Je vais essayer de rattraper le chemin. Là. Je suis isladian, au moins comme ça. J'arrive direct au bon endroit. Donc là, on va aller tête de guac en dessous, c'est pas ce qu'on veut. Du coup, nous, là, on va là, on est d'accord. On passe par là. Ensuite, là. On descend là et on se retrouve dans la zone courue, parfait. Enfin, à peu près dans la zone courue parce que c'est là en dessous qu'on va viser, nous. Parfait, on y est. Donc là, pareil, il va falloir trouver une échelle pour se lâcher. Attention aux têtes de guac, ils sont nombreux. Voilà. On extermine avant. Dégage. Donc du coup voilà l'échelle en question. On va se débarrasser de tout le monde. Aïe aïe aïe, la catastrophe. Pas si loin. Alors hop, maintenant. On continue, donc, du coup on va aller chercher cet objet là. Maintenant et on va descendre par cette liane justement. Enfin, par cette racine. Croix d'âme. Car rien anonyme en plus, donc bon. Ça rapporte pas énorme. Là il me semble qu'il faut continuer. Ça faut continuer à viser les champions en fait.
Lui, non, voilà, il est déjà mort, il me semble bien. Ensuite, moi, je vais me lâcher de l'œil sur le récupérer 2-3 cadavres sur la route. Et mince, la mort. C'est à prévoir. Ah, misère, désolé pour le calvaire. Essayer de revenir rapidement à la zone. Vu que je ne vais pas utiliser de fiole. Même si en fait mes dernières fioles je vais les utiliser. J'ai failli crever. Plus qu'un con. Bon, je disais, même si je vais les utiliser en fait dans le lac Faudrey. Vu que ça va être le dernier feu qu'on va braser là-bas. Là, ça va combattre à nouveau un boss qu'on avait déjà vu. Saloté! Ah, toi, t'étais pas prévu non plus. Oh la vache. Ah, j'ai failli me tuer. J'ai failli me tuer comme un débile. Failli me tuer comme un gros crétin, là, pour le coup. Oh la vache. Oh, je l'ai vu passer de près, celle-là. Bon, du coup, maintenant... comment je vais faire là? Utilisé pour le contre-temps, encore une fois. Là, je vais me tuer, c'est sûr et certain. Ah voilà, c'était sûr. Putain! Une fois désolé, purée, c'est fail sur fail là. C'est limite si j'ai pas envie de recommencer la vidéo quand ça fait ça. Bon, tant qu'elle se fail, autant aller récupérer le cadavre qui se trouve là. Ah hop, fragment de titane rouge. De toute façon, j'ai pas de backup, donc du coup, je suis obligé de garder la vidéo. C'est bien ça le plus malheureux de l'histoire. Alors hop, maintenant. Ça tiendrait qu'à moi, j'aurais déjà recommencé. Alors. Voilà, enfin. On va aller un peu plus vite. C'est juste le temps de retrouver le chemin. Allez, descend, douille. On va essayer de viser directement l'échelle. Saleté. Pareil, on n'est pas passé loin. Pas passé loin de la cata. Alors. Moi qui voulais commencer de l'accent derrière cet épisode, et ben je me retrouve baisé. Bon. C'est à cause des fails, encore une fois, désolé. Je me déteste quand ce genre de truc arrive. J'aurais mieux fait de suivre le chemin normal. D'essayer de choper des trucs inchoppables.
Ok, autre lui tuer, voilà, c'était ce qu'il y a d'abord là que je voulais récupérer tout à l'heure, mais bon, tant pis. Voilà, mort. Ah oui, pourquoi je m'embête? Je suis directement là, je les attends. Comme ça, ils peuvent pas passer et ils sont baisés. Juste les petits qui peuvent passer comme ça. Saleté. Ah oh, la patate. Voilà, hop, parfait. C'est pareil, il y en a encore un autre. Ah, c'est celui que j'ai pas tué tout à l'heure. Il va se forger, hop. Voilà, au revoir. Next. C'est tout? Bon. On peut continuer à descendre la grande carcasse. Du coup là on a vu le feu là-bas. Du coup là c'est la seule zone du jeu où on a de la musique. En tout cas l'une des seules. Donc là on a une hydre. Du coup, c'est aussi pour ça que je dois braser le feu à plus 4. Dès qu'on va laisser la faire, Lynn, mais d'abord, on va pas faire le fail de tour des cendres. On va essayer de reposer au feu directement là. Voilà, au moins comme ça, on a déjà le feu. Par contre, il va falloir que je mette 4 humains. Du coup, ce qui fait qu'on va faire le Alexandre dans le prochain épisode. Et zut, je voulais le commencer dans cet épisode, et ben tant pis. Ah, misère de misère. Encore une fois, désolé pour ça. Voilà, bon. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter cet épisode-là, du coup, la prochaine. Salut à tous!